rejoignez notre amie Corinne, qui nous attend, je crois, au fin fond du canapé. On y va. Et on rejoint donc notre amie Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Steve. Bonjour Corinne. Comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien, en ce début d'année, je te remercie. Alors, ça tombe bien puisque tu es venu nous parler de quelqu'un que nous avions rencontré lors des Pics d'Or. Oui, c'est ça. Pour ma part en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Elle a été finaliste du Pic d'Or. Et puis je me suis dit, autant commencer l'année sur une note de bonne humeur. Oui, de fraîcheur, de légèreté. Et d'optimisme. Voilà, ouais, hein, tout à fait. Donc il s'agit de Sarah Mikowski, une jeune chanteuse lyonnaise. Qui vient de sortir il y a, au mois de novembre oui, son nouvel album. Voilà. Parce que son album est vraiment à son image très enjoué. Alors c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les mots avec de l'humour, énormément d'humour. Hein, et de deuxième, ouais. Tu t'en souviens quand elle avait joué. Donc c'est très gai. Et d'ailleurs, bon, elle annonce la couleur dans le titre de son album qui s'intitule Ma vie en rose. Donc vous voyez, c'est vraiment idéal si on a envie de commencer l'année avec des choses un peu positives. Donc bon, elle parle d'amour, de tout un tas de choses, mais ses textes sont vraiment très très bien écrits. C'est très pop, très swing, ça bouge. Alors la particularité de ce disque, c'est qu'il y a 8 titres. Donc avec 8 titres normaux et ensuite vous les avez en version instrumentale. Voilà. Donc ça permet de découvrir cette jeune femme hein, qui est vraiment une artiste dont on commence à parler beaucoup dans le milieu et qui se fait remarquer parce que c'est vrai que sur scène elle a beaucoup de présence, beaucoup d'humour, puis elle a une très jolie voix, elle est vraiment très douée. Et elle a un univers aussi, si je peux me permettre, très cohérent entre les chansons, la manière dont elle s'habille, dont elle s'exprime, les musiques, les textes, et tout ça est très cohérent, je trouve. Voilà, elle a attiré le regard de nombreuses personnes là, ces derniers temps, et bon, on risque d'en entendre parler un peu plus en cours d'année. Enfin, bon, dans tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite et qu'on espère pour elle. Donc, je vous engage vraiment à écouter ce disque, ça va vous donner la pêche pour. Ouais, complètement. Voilà. Et il y a un titre qui s'appelle François, qui moi, est mon titre préféré, que vraiment je vous conseille d'écouter. Voilà. Et elle avait fait un duo avec Enzo Enzo aussi, je sais. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, ouais, découvrez-la, elle est vraiment, elle est vraiment très bien. Voilà. On vous met le lien de son site. Sur votre écran. Voilà. Et ensuite, je voulais aussi vous parler d'une comédie musicale, mais qui est aussi un disque, qui s'appelle Un été 44. Donc j'ai vu ce. C'est ta date de naissance. Tu n'es pas obligé de le dire à l'antenne. Il est charmant, faut le dire. On l'aime beaucoup. Je suis bien conservée. Ça va. Mais ça coûte cher. Hein. Et donc, Un été 44, cette comédie musicale qui se joue en ce moment à Paris va bientôt partir en tournée, mais vous pouvez déjà acheter le disque, la bande originale. Il faut savoir que tous les titres ont été écrits et composés par des artistes prestigieux français, donc 18. Donc, on retrouve parmi eux Alain Chamfort, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, bon, on va pas tous les citer. Donc c'est vraiment un très très beau spectacle là aussi, c'est très optimiste. Bon, ça se passe quand même pendant la guerre, juste avant la libération, mais néanmoins c'est traité de façon positive, voilà. Donc, et on passe un bon moment. Les chansons sont vraiment très très belles, très jolies. Si on aime la grande variété française, c'est vraiment un disque à s'acheter de bonne qualité. On passe vraiment un bon moment en l'écoutant. Alors, j'en profite pour vous préciser, si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, que l'acteur-chanteur qui a le rôle principal masculin, on l'a découvert à Tarbes il y a quelques années, puisqu'il a participé au Pic d'Or. Il s'agit de Tomislav Matossin, qui avait eu en 2013 le Pic d'Argent. Donc vous voyez, il poursuit son chemin. Et là, c'est vraiment pour lui une belle carrière. Et moi, en le voyant sur scène, j'ai découvert aussi un danseur. Ce que je n'imaginais pas l'ayant vu sur la scène des Pics d'Or. D'ailleurs, il faudrait réfléchir et peut-être mettre une section de danse que tu animerais. Mais tout à fait. Voilà. La danse avec les stars Tarbé. C'est ça, mais écoute, on fera tous les deux. Mais voilà, on fera tous les deux. Ouais. Non, on fera un porté, mais dans l'autre sens, c'est toi qui me portes.
tu vois. Bon, enfin voilà, toujours de bonnes idées grâce à Asti. C'est ça. Bon, enfin voilà, en tout cas, deux choses très différentes, spectacle musical et chanson française, donc Sarah Mikowski, tous les deux donc très optimistes et gays et qui donnent envie de danser, de bouger, qui donnent la pêche en ce début d'année, parce que bon, soit on est un peu fatigué ou ouais. Voilà, donc là, c'est bon, on est boosté pour jusqu'à la fin de l'année. Voilà.